Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement à Saint-Jean-de-Luz. Là, c'est le port. Et au programme, et j'espère que vous allez l'apprécier, eh bien, visite de Saint-Jean-de-Luz, une petite croisière, et on termine en beauté en vous montrant quelques images de la fête de la Saint-Jean. Car ici, la fête de la Saint-Jean, c'est monstrueux. S'il y a une période où il faut aller à Saint-Jean-de-Luz, c'est bien au moment de la fête de la Saint-Jean. Ben, on va d'abord visiter la ville. Même s'il ne fait pas très beau, mais vous inquiétez pas, vous verrez quand même quelques plans avec du soleil. Là, on est sur une des digues de Saint-Jean-de-Luz. Là, on passe à côté du fameux phare, célèbre phare. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Même lorsqu'il ne fait pas beau, je trouve cet endroit magnifique. J'adore. Et là, on est arrivé au bout. Je suis comme un enfant. J'adore cet endroit. Regardez, là, on voit Saint-Jean-de-Luz. Franchement, même lorsqu'il ne fait pas beau, c'est absolument génial d'être là. Il faut savoir que Saint-Jean-de-Luz, pendant les grandes vacances, c'est une ville très familiale. Pourquoi ? Parce que c'est un des rares endroits qui se trouve sur la côte basque où vous pouvez vous baigner sans risque car il n'y a pas trop de vagues. Comparé à Biarritz ou à Hendaye où c'est le pays des surfeurs et il y a très souvent des grandes vagues, ce n'est pas le cas à Saint-Jean-de-Luz. C'est pour ça qu'en juillet et août, vous voyez beaucoup de familles avec des enfants ici. Il faut le savoir. Si vous aimez faire des emplettes, ne vous inquiétez pas. Niveau boutique, il y en a énormément. C'est ouvert toute la journée. Donc, si acheter des souvenirs, c'est votre bonheur, Saint-Jean lui aussi ne va pas vous décevoir. Allez, un peu de recueillement, on va maintenant visiter l'église. C'était en effet une très belle église. À voir. Bon, j'ai faim. Je vais manger quelque chose. Je connais un bon restaurant. Vraiment parfait. Vraiment très bon. Je vous recommande. De monter sur le plus haut sommet de Saint-Jean-de-Luz pour tenter de vous faire un panoramique de la fameuse baie. Vous allez voir, ça va être magnifique. Et là, je suis arrivé au sommet. Je monte ici. Waouh ! Et regardez, la vue panoramique est juste derrière moi. C'est pas magnifique ça ? Moi, j'adore. Une petite croisière avec ce bateau de 2 heures vers l'Espagne, ça vous dit ?
toujours aimé les croisières. J'ai pas vraiment le pied marin, mais j'adore ça. Et ça bouge pas mal. Je prends vraiment mon pied sur ce bateau. Ça tente dans tous les sens, c'est un vrai bonheur. Retour vers Saint-Jean-de-Luz. De 2 heures avec ce bateau, ça m'a fait bien plaisir. J'ai adoré ça. Ça bouge dans tous les sens, j'ai failli dégueuler, mais toujours dans le bonheur et la joie. Nous sommes le vendredi 23 juin et à Saint-Jean-de-Luz débute la fête de la Saint-Jean. Ça tombe bien, mon second prénom, c'est Jean. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'ambiance, kermesse, danse, alcool, chant à gogo, c'est la fête. Je vais pas beaucoup vous parler, surtout ambiance. Saint-Jean-de-Luz, tout le monde est habillé en rouge. C'est un peu la couleur de la ville. Et au moment de la Saint-Jean, eh bien, c'est de coutume d'avoir quelque chose de rouge sur soi. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en jaune. Eh oui, j'ai tout compris. Quelle ambiance les amis, vraiment je m'éclate. Et puis là je suis en train de regarder le coucher du soleil, quelle belle journée. Cette vidéo sur Saint-Jean-de-Luz s'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié la balade. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si la thématique de la culture geek et celle du voyage vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!